On s'est dit, avec Carlito, on s'est rendu compte qu'on était des nuls en géographie. Je pense que je suis pas capable de placer 5 villes de France, à part éventuellement Marseille, Paris, Bordeaux. Lyon. Grosses villes, quoi. Lyon, voilà. Et encore Lyon, j'ai peut-être une galère. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir d'essayer de placer des villes, pas forcément les plus mainstream et pas forcément des villages perdus, mais des villes, tu vois, middle connues, sur la carte de France. Est-ce que vous étiez fort en géo, vous ? Non. J'ai eu 10.03 au bac la deuxième fois. Au rattrapage. Pourquoi t'as fait deux ? Alors, deux bacs au rattrapage, tu pues la merde ! Ah, attention, moquerie, j'ai l'impression. Non, tu crois ça, toi ? T'as ressenti ça, toi ? Qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie ? Un petit peu d'aigreur, j'ai l'impression. Ah, bon. Il y a un peu de ça. Et j'ai redoublé ma CM2 également. Ma CM2 ? Oh non, putain ! Ma CM2, c'est génial ! Alors, je peux expliquer ? Oui. Parce que notre professeure, que j'embrasse pas du tout parce qu'elle était à chier, elle nous faisait faire que de la chorale. Et donc, du coup, ma mère m'a fait refaire une CM2 parce qu'elle m'a dit « Mais ça sert à rien que t'ailles en 6e. Tu vas forcément redoubler ta 6e, donc redouble ta CM2, fais une vraie CM2. » Non, mais arrête. Ma CM2. J'ai essayé de ma CM2 ? C'est ma CM2 à moi. Je pense que tout le monde dit mon CM2. Mon CM2 ? Tu dis mon CM2, toi ? Bah oui. Tu bah, dis quoi ? J'ai fait mon CP, ouais, mon CM2. Est-ce qu'on peut demander à la prof d'histoire géo si on dit mon ou ma CM2 ? S'il vous plaît. Venez quelques secondes, c'est une petite digression. On a bonjour une Virginie. Prof de géographie qu'on applaudit. Bravo Virginie. Virginie. Bravo Virge. Qui viendra nous recevoir tout à l'heure pour les corrections. Pour la correction. Ouais. Petite question. Et en même temps, je crois que les gens font ce qu'ils veulent, mais on a plutôt tendance à dire mon CM2 ou ma CM2. Ce qui n'a rien à voir avec la géo, du coup. Mon CM2. Merci, merci. Et ben voilà. Voilà. Bah voilà, ça bah vraiment, le CM2 t'aura déçu du début à la fin. Même dans son nom. C'est terrible. Et toi en géo ? Moi, en géo, plutôt moyen, ouais. On va faire ça dans quelques instants. On a des petites magnettes ici qu'on va mettre sur cette immense carte de la France. Ah, nouveau débat ! Moi, je dis magnette. Magnette. Moi, je dis magnette. C'est vrai ? Tu dis quoi ? Magnette. Magnette, on se frappe. Magnette, c'est mon neveu. Allez, viens. Ah ouais, ça se tape pour de vrai ? Oh, quel bonheur ! Quoi ? Oh, je suis désolé, excuse-moi. Mais c'est génial, nouveau jeu, on se tape pour de vrai. Léo, let's go. Ah non. Toi, je peux pas. Ah oui, non, pardon, vas-y, tape Léo. Léo, mais tape pour de vrai. Mais tape Léo. Je rentre dans ça. Arrête. Il s'est même pas levé. Ok, c'est bon. Le micro. Attends. Arrête, passez-toi. Ah oui, c'est énorme, putain. Non. Là, tu montes vraiment pas aux gens, c'est le principe de l'audiovisuel. Non, mais ça, c'est des vidéos de ma mon fils, ça va y crever. Je suis heureux, là, maintenant. C'est normal que je sois heureux. Ouais. Trop bien, ça. Il va bien, vraiment, bonne santé et tout. Ah, là, oui. Donc, on s'est dit que ça pouvait être très, très marrant. D'essayer de placer des villes sur la carte de France. D'avance, désolé pour les villes, c'est pas du manque de respect, mais pour les villes qu'on va mal placer. Justement, en fait, on va apprendre enfin. C'est quel niveau d'école de placer les justes villes sur deux, hein. C'est bas, 6e, CM2, 6e. Ouais, plus. Tu crois les villes Ah, les villes, les gars. Et en vrai, pour finir ce qu'on disait, chiant quand même. Aujourd'hui, à 36 piges, 37 piges, là, je kiffe vraiment. La géo, même mondiale, internationale, ah tout. Ah ouais, c'est intéressant vraiment de savoir ça. Ah oui. Est-ce que vos parents, ils savaient tout? Les numéros oui. Des villes, c'est incroyable. Moi, je ne connais rien à part quand. C'est bizarre. 14. Pourquoi ça s'est perdu ce truc-là ? Bah mais nous, parce qu'on est cons. Ils apprennent en vrai, les gens, ils kiffent. Peut-être qu'il y a des gens, peut-être que vous. D'ailleurs, dites-nous. Oui, je me demande. Le fameux truc des départements, ouais, sur les plaques d'immatriculation, qui ont un autre nom. Quel est l'autre nom des plaques d'immatriculation ? Minéralogique. Minéralogique. Ouais. Tu vois, 23, t'es là, oui, bah, c'est l'Aisne dans l'Aube. Voilà. Et ça, d'ailleurs, t'as maintenant ce qui me rend fou, Allier, et pourtant, je viens pas de l'Allier. Oui. C'est le même mot. c'est que tu peux aujourd'hui choisir ton département sur ta voiture. C'est vrai. Plus lié du c'est tout très à bizarre. Tout le monde a envie de prendre la Corse pour être stylé, t'as remarqué ça ? Mais 0,2 moi. Attends, tu peux prendre n'importe quoi ? Tu prends n'importe quel numéro de département sur ta plaque de voiture. Mais pourquoi la mettre du coup ça ? Bah merci. Mon père, il a mis le département de la Corse quand il est déménagé en Vendée pour qu'il y ait enfin un noir dans son quartier. Coup, quel rapport avec la Corse ? Bah c'était le noir de la Corse là, tu sais le gars noir. Le mort, on l'appelle. Ah oui, c'est un mort. Et il est pas mort. Hein. Non, un MAUR. Et ton père n'est pas noir. Non. Ah donc c'est très confusant. Ton père blanc voulait un mort qui est un mort noir. Mais il est pas mort le gars. Bon. Allez. Avant de commencer, sachez que là c'est la partie talk. On n'est pas sur le desk, on appelle ça le desk. On est au milieu. Trop ses copains. Et on cherche éternellement un nom. Ça fait des mois et des mois. On a toujours pas de nom pour la partie talk. David, tu as une proposition ? Bah oui, mais c'est nul, hein, putain. On se sert du prosecco et on parle entre copains. Prosecco-pain. Si. Ah, si, moi, je trouve ça cool. On l'a jamais entendu prosecco. Jamais. Et pourquoi pas Toki-Woki ? Santé, les amis. Il a proposé un nom. Bah, c'est pas trop mal. Hein. Qui n'a aucun lien. Pourquoi ? Mais c'est-à-dire qu'il faudrait marcher. Parce qu'on soit en train de marcher. Hé, les gars !
C'est cool. Ça talk là, ça chine. Ça chine, allez, sur Toki Woki. Alors, à l'amitié, les amis. Les Khaïm. Salute. Salute. On peut l'appeler le salute. On voit que du thé. Vous savez quoi, proposer des noms, c'est pas si mal. On va tester nos facultés en géographie. Qui commence? Toi. Ouais, commence-toi. Tu prends un tas au hasard. Ici, on a quatre, on a cinq petits magnets. Tu prends un tas au hasard. Souhaitez-moi bonne chance, les copains. Bonne chance, Rafou. Bonne chance, Rafoufou. Alors, on a quoi? Ville? Le Mans. Wesh! Le Mans, t'as pas? Moi, j'ai un petit doute, bah, mais on dit rien. Moi aussi, ah bah non, mais laissez-le faire. Surtout que tu as été pour le GP. Oui, mais donc, mec, ah non, moi c'est terrible. Non, mais les gars, vous ai dit. Non, mais on a dit au début. Non, mais nul à chier. Tu sais que même plusieurs fois, ça m'arrive de quand on a fait la tournée ou quand on fait des trucs, des événements. Je sais que je suis dans une ville, aucune idée d'où c'est sur la France. T'es parti en train, donc tu peux. En train, ouais. Ou peu importe le d'ailleurs, en fait. J'ai mis Le Mans. Ok, t'attends, on dit rien. Ok, d'accord. Bah, on dit rien. Vous savez? On donne notre avis mais ou pas? Il n'y a pas de plus. Ah bah non. Quand tu poses, tu poses. Quand tu poses, t'as pas le droit de. On a le droit d'y donner notre avis alors. Pourquoi? C'est de la merde? Pas tant. Oh, c'est pas si mal. Pas tant. Qu'est-ce qui fait que tu le mets là, toi, par exemple? C'est du pur hasard. Parce que pour moi, c'est pas une ville du sud et c'est pas les ch'tis non plus. On salue toutes les régions. Je le dis maintenant, toutes les régions on salue. J'aime la France. Tu sais pourquoi? Il y en a qui se valent plus ou moins. Oui, clairement, clairement. Moi, j'ai un petit manque d'affect avec l'Est. Pourquoi t'as pris super mal? Mais sud, nord-ouest et est, vous devez encore me convaincre. On vous donc attend. Je me dis, voilà, je vois bien Squeezie dire hey, on va faire de la moto là. Je lui ai dit, bah, c'est pas de la moto, Squeeze. Alors, c'est pas du Bayonne, les amis. Le BAB, on y est allé récemment. On y est allé récemment? Oui, bah vraiment. Ah bah oui, mais ça, je sais pas, on n'est pas allé à Bayonne. Mais vraiment, oui, mais BAB, Biarritz anglaise Bayonne, tu fais. Mais moi, même sans faire exprès, tu fais les trois. C'est BABA des villes françaises. Oh, bien vu, bien vu, bien vu. Fais chier là. Tu descends la Vendée, t'arrives au BAB et t'es là. C'est un vrai truc, BAB? Oui, le BAB. Même qu'il y a un centre commercial qui s'appelle le BABTOU. Ah, mais j'avais pas. Aurillac. Alors, tu sais qu'elle a un truc, cette ville? C'est la ville la plus froide de France. Ah ouais? Petit indice. Et à l'envers, ça fait Cadillac. Dis bien. Caïrahu, non. Oh, ok. Putain, je m'attendais pas que tu le fasses vraiment. Et en même temps, c'est fou. C'est ça qui est dingue. 50 secondes. Oui, c'est vrai que c'est très bien, 3 minutes. C'est un peu lent. C'est parfait. C'est le sud. Je pense l'inverse. Voilà. Bon, maintenant qu'il l'a posé. Aurillac. C'est horrible. Annecy. Ah bah. Annecy. Il y a un lac. Un très beau lac. On voit pas les lacs. C'est vrai qu'on voit pas les lacs. Metz. Ah, c'est nos amis. Mais ça se trouve, il est bon, hein. Allez, mon gars. C'est combien de temps? T'es bien. Metz, c'est à l'est, Alsace-Lorraine. Bonjour, je vais à l'est. J'adore. Là-bas, cathédrale, magnifique. Mais même oui, pour, alors là, c'est très important, même pour les gens athées comme moi, mais oui, qui respectent quand même la cathédrale, tu te rappelles? On y allait, oui. Tu oublies tout. C'est Bayonne. Non, mais mec, c'est incroyable, ton personnage. Ben oui, bien, mec. Bravo. Franchement, t'es pas si mal, hein, ça se trouve. Mais je pense que Aurillac... Face Aurillac, on est loin. Metz, j'aurais mis pareil, moi. Aussi, vous savez, ce qui est intéressant, c'est de pas être dans le jugement. On est dans la bienveillance. J'ai peut-être fait des erreurs. Votre avis, Aurillac, vous avez des gros doutes sur Aurillac? Moi, je pense que trois bonnes réponses. Pour moi, ça sonne sud. Moi, Bayonne, je pense que tu pourras pas être validé sur Bayonne. Ah ouais. Le Mans, je pense que sont quasiment, t'es un peu pas loin, mais à côté pour quasi tout, sauf Le Mans. Et Metz, c'est pas mal aussi. Hein. Aurillac, je vois pas tellement. À préciser que si on n'est pas dans le bon département, c'est mort de mort la note. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Ah ouais. J'y vais. Allez, bah on met un peu d'alcool, mais c'est pas pour faire la promo. Ok, c'est bon pour le minuteur. Le timer. C'est parfait. Ça marche. Bon, bah, il me reste 2 minutes. J'ai Beauvais. Beauvais. Bonne chance. C'est un calvaire. Quand tu pues, ça sort Beauvais. Beauvais. J'aime bien, moi. T'es Mont ou Beauvais? Moi, c'était mieux. T'es Mont ou Beauvais? C'était moins bien que lui. Beauvais, mais je vais me ridiculiser. Ah, oui. Tu veux que je te donne la réponse? Non, ouais. Non. Ah non, c'est ça. Mais non. Très discrètement. Non. Alors là, ici, on a Caen. Par exemple, ici, Caen. Ouais. Et Beauvais, c'est pas très loin. Hein. Je dirais ici. En plein milieu de... Il est trop mignon. Juste à côté de la Tour Eiffel. Mec, t'as pas le droit d'enlever quand t'as vu. Non, mais non, arrêtez. Bah, si. C'est la règle. C'est la règle. C'était une blague. Mais okay, alors, allez. Si c'était une blague, alors. Après, on sait jamais, ça peut tomber sur Paris. Bon. Non, je mettrais Beauvais, c'est plutôt vers chez moi, je dirais. Tu vois. Les gens qui sont chez eux, qui habitent dans les villes, ils vont être dépités. Tu en es désolé. Nîmes. Ah, tu l'as, Nîmes. Je connais. C'est connu, Nîmes, facile. Après, bien choisi. Où le placer? Mes parents ont une maison là-bas. Mais si tu l'as pas au millimètre. Et je voulais vous le dire, vraiment, je te le dis droit dans les yeux, je ne l'ai pas. N'oubliez pas. Je sais que c'est par là, quoi. Par là, ouais. Quand c'est posé, c'est posé, hein.
Donc là, ses parents ont une... Bah ouais, mec, t'es un petit enfoiré, tu l'as mis sur trois régions pour avoir un point. Non, c'est ma technique. Ce sont des départements, pas des régions. Auxerre. Ah, Auxerre, j'ai Ah non, moi je l'ai, je l'ai. Je l'ai, je l'ai moi aussi. J'ai grandi dans Lyon. Ah, moi j'adore la Bourgogne. Oui, oui. J'ai rien du tout, moi, d'Auxerre. Tu connais Sens ? Tu connais Sens ? Oui, bien sûr. Auxerre. Tu connais Montbar ? Non. Tu connais Saint-Pair ? Et donc ? Non. Et du coup, s'ils jouent au foot, c'est qu'ils sont ? Dans le sud. Dans le sud de la France. Auxerre, c'est pas en Bretagne. Et pourquoi pas quand même ? Sois sincère dans ta démarche. En Bretagne, ça vous gagne. 20 secondes pour placer 3 à 4 villes, là, grouille-toi. Oula, c'est ridicule. Pense à Djibril Cissé. Pause. Arrête. Bah. Oh là là, vas-y. Ah oui, pense à Giroud. Grenoble, c'est une grosse ville aussi. Les gars, Grenoble. C'est super connu, Grenoble. Il a des plus easy, non ? Vraiment. Alors, chez vous, j'imagine que c'est ridicule là, mais essayer de faire chez vous, c'est pas si simple. Très simple pour quasiment tout le monde en France. Ils sont plus cultivés que nous, globalement. Non, mais on va se ridiculiser. Mais allez, oui. Grenoble, pour moi. Grenoble, la ville d'Ilic, notamment. Ilic, il est plutôt bronzé, donc je dirais plutôt que c'est du sud. Mmh. Ça n'a rien à voir cette avec phrase, ça. Malheureusement. Grenoble. Combien de temps il lui reste ? Voilà, il est. C'est fini, mec, vas-y. Let's go. Pas trop mal, Grenoble, pas trop mal. Let's go, let's go. Voilà, c'est quoi ? Pas trop mal. Priva, non, mais allez, ça existe même pas, Priva. Si. Rivas, la crème de marron vient de là-bas. Elle est un peu dure. Allez, Priva. Pose tes putain de merde. Bravo, Léopold. C'est nul. Tu me dis c'est nul à chier. Grâce à toi, cette idée a du sens. Vous êtes dans le jugement ? Ouais. Est-ce que moi, parfois, je suis dans le jugement ? Totalement. Ouais. De façon extrême. Gros chiasse. Franchement, alors pour ma défense, je suis tombé quand même sur des villes qui sont quand même super dures. Non, gars. Priva, c'est dur, mais les autres, c'est easy de fou. Allez, j'en prends. Tu fais ? Je peux ou tu voulais y aller toi ? Moi, je veux pas te passer devant. Hein. Non, moi non plus, je veux pas. Je pose un 1v1. Qu'est-ce que ça m'a fait rire, la vraie bagarre ? C'est parti. Je commence simple avec Brest, ça, ouais, je suis OK. Oh, Brest ! Les Bretons. Alors, quand même, je mets là. Ah, Angers. Ah ouais. Putain, les bâtards ! Oh, t'aurais pu tomber sur Angers. T'aurais pu avoir Angers. Ouais, Angers, oui, bon, même moi, je l'aurais eu. Je connais une fille qui vient d'Angers, elle s'appelle Charlie. C'est drôle, ça, Charlie, dans Angers. Moi, je mettrais Angers là. Angela, ma gueule toi, Simon Papa. Bisneuil. Putain, mais les gars, wesh, il a le meilleur tas. Ouais, mais du coup. Brest, Angers et Bisdouille. Alors attends, le problème, c'est que moi, Bisneuil, je le mets à là où j'ai mis Grenoble. Je te dis, c'est ça le problème. Genre. Voilà. Bon, on se souviendra que pour toi, c'est là. Ouais. Je pense que c'est pas la Bisneuil. Putain, mais il a des vies, il va avoir Bois-Colombes. Oh, ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Bastia, cela dit non, parce que Bastia et Ajaccio, je les confonds de ouf, je sais jamais qui. Et ouais, il y a deux trucs. Je sais, Bastia, je sais. Allez, je crois que c'est là, Bastia, je dirais que c'est là, Bastia. Et Verdun. Oula, Verdun. C'est frais, c'est vin gelé. T'as Verdun ? Ouais. Verdun, très connu pour la bataille de Verdun. Ouais, Jeanne d'Arc. Qui opposait... Elle a été enterrée là-bas. Qui opposait Claude Makélélé. Attends. La bataille de Verdun, c'est les Allemands, c'est quand les Allemands ils sont venus. Donc ouais, ça doit être là-bas, c'est genre là, Verdun. Genre. Ouais, un peu plus... Non, voilà. C'est OK. Ah, mais t'as l'air Attends, fort, t'es très bon, toi. Il a l'air fort. Non, les gars, je fais tout dans le paraître, pour moi. Ah ouais Là, tu dis au hasard. Bon, je vais David. Okay. Ouais. J'ai bien placé. Ah, je me sens bien. Bien joué, David. J'y vais avec mon touch dans de merde, là. Ouais, oula, mais voilà. Il est bourré. Ouais, il est bourré. Ah oui, en fait, il faut pas... Il est rond comme une queue de pelle. Je suis pas bourré, moi. Cabourg. Oh, mais allez, c'est facile. Tu connais, tu l'as pas, les gars. T'es le mec qui dit toujours c'est facile dès qu'il y a un truc. C'est en fait, genre, t'es facile par Cabourg, pour moi, parce que je suis né à côté. Aïe, aïe, aïe. En Bretagne, donc ? Je suis assez chaud. Ah oui, merde, c'est en Normandie. Vessoul, les gars. Vessoul. 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 Vessoul, c'est là. On dirait pas un nom de rappeur. Montpellier. Vessoul. Vessoul. Imagine, Vessoul. Mais je pense que Vessoul. Vessoul, c'est dans ce coin. De quoi ? Non, mais rien. Vous connaissez Vesoul ? Ah, Vesoul, et c'est pas là du tout. Tu m'as dit qu'il connaît la Vesoul, Jacques Brel. Avignon, avec son super pompon. Et Vesoul. Son super festoche. Ah oui, super festoche d'Avignon, donc c'est là. On va dire que c'est en dessous. Donc c'est en dessous, et on va dire que c'est pas loin de... Vesoul. Non. Et de là où je l'ai placé, en fait. Ah, n'écoute rien, ce que je dis là. C'est pas trop loin de où je l'ai passé, Vesoul. Non. À Vivi. Mais on va pas t'aider, cousin. Vous avez déjà fait le festival d'Avignon ? Oui. Faire du théâtre. La chaleur là-bas était terrible, c'est le souvenir que j'en ai. Ah ouais ? Pas les bons artistes éventuellement qui auraient donné ça. Ça, hein. Juste ça m'a l'air pas mal ici, hein. Ouais, très bien. Très sain, moi, ouais. C'est très bien. Oui, c'est pas là. Tu tes adversaires. Et ici alors ? Non ! C'est plus là, je crois. Franchement ! On peut tenter ? Mais mec, le Prosecco l'a tué. Amiens. Amiens, c'est facile. Ah ouais ? Oh bien. Mais t'en sais rien. T'as fini là ? C'est là-bas, les gars. Bourré. Dijon ! Dijon. Oh, on en a parlé récemment. Je crois que c'est ça.
Mais tu m'as dit que t'adorais la Bourgogne. Mais je connais. Mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Il m'a dit qu'il kiffait la Bourgogne comme moi. Il sait pas où c'est. C'est là, je crois. Dijon, c'est en Bourgogne? Ouais, ouais, c'est là, Dijon. Dijon, non. Trop tard, c'est trop tard, c'est posé, ça a pleuré de rire. Pour toi, Dijon, c'est à une heure de Paris. Tu m'as dit que tu aimais la Bourgogne. Mais non, mais j'ai grandi en Bourgogne. J'ai un de mes meilleurs amis qui vient d'ouvrir un super coiffeur à Dijon. Allez-y, les frères Barbier. Ça va, là, l'école? L'école? Je suis très jaloux de ton style, j'aimerais bien être stylé comme ça. Oh, les gars, c'est un t-shirt blanc et un jean, suce-moi par pitié. Est-ce que vous avez aussi, t'as ce truc, mais ça c'est le truc des blancs becs tout faibles. Oui, voilà. Dès qu'il y a du Renoir, du Métis. Oui. Vous les trouvez stylés? Ah, de fou. Bah, de ouf. Mais non, mais oui, c'est comme ça. C'est super c'est stylé. C'est comme ça. Apprends-moi. Voilà, donc là pour vous, ça doit être peut-être un peu surprenant, ça doit être hilarant peut-être pour certains de voir la nullité. On a décidé de faire appel à une prof donc, que vous avez vue tout à l'heure. Bah, je vais chercher Virginie. Oui, non, je vais non, regardez. Virginie. Non, je vais la chercher. Allez, j'y vais. Ouais, Virginie. Bienvenue, Virginie. Déjà, avant de commencer, merci d'être ici. Merci, merci, beaucoup, merci à vous. Hein, merci à vous. Ça vous dégagez une très belle énergie. C'est vrai. Merci. Ça donne envie d'avoir une prof qui t'apprend comme ça la joie. Peut-être qu'avec des bonnes profs et des bons profs, on apprend. C'est ça qui change la donne. Comparé à M. Bonouvrier. Je sais pas s'il est vivant encore, mais qui était pas génial. Force à lui. Certainement mort aujourd'hui. Enfin, c'est pas le sujet, mais... J'ai une question. Oui. Le moment où on apprend les villes en France, c'est quel niveau à peu près de ces primaires, collèges, c'est quoi? Oh, cycle 3, ouais. Cycle 3, ouais. Donc collège. CM1, CM2. Non, ouais, fin de... T'as raison, putain, t'as tout le temps raison. J'ai une question, moi. Enfin, je pense, parce que moi, le cycle 3, ça fait un moment que j'en ai pas. Ouais. Oui. Lève la main, oui. Et tu dis maîtresse, maîtresse. Oui, Léopold. Est-ce que ça fume dans la salle des profs? Non. Non, parce que... Voilà. Non, ah. Ça ne fume pas dans la salle des profs. Mytho. Non, c'est vrai. Certains fument dehors, mais dans la salle des profs, ça ne fume pas. Non, on n'a pas le droit. Virginie, donc il y a plusieurs magnets avec des petits autocollants de couleur dessus. Des pastilles correspondent à chacun d'entre nous. Okay. Et moi, je suis de couleur, parce qu'on va commencer jaune. On va corriger par couleur d'assainement. Pour l'instant, on s'occupe de la couleur jaune et vous ne regardez pas les autres couleurs, s'il vous plaît. Ok, je fais que jaune, d'accord. Regardez surtout pas les autres couleurs, là, uniquement les jaunes. Donc, tu es en jaune. Ça me stresse énormément. Je vais avoir une note sur 5. C'est pas mal. Oh, oui. Je vois, dans ce que j'ai vu déjà, dans ce que j'ai repéré, je peux me reculer un petit peu là, le temps de... Bon pour voir. Ok, il y a de l'idée, c'est... Pas parfait, mais c'est pas à l'autre bout de la France. Ça va, je suis content. Voilà. Allez-y, prenez peut-être un par. Alors donc ouais, je prends et je. Bien sûr. Les pastilles jaunes uniquement. Ok. Alors Le Mans, c'est la Sarthe, donc c'est pas loin de là, mais c'est ici. Bah, franchement, c'est bien. Tu prends le point, t'étais dans le département. Je suis content. Dans la région et ouais. Pas mal de tout. Il y a le GP Explorer de Squeeze là-bas. La vidéo qui est sortie, j'ai fini combien? Ensuite, alors Bayonne, c'est pas mal, c'est pas tout à fait assez bas. Merde. Je suis dans le bon département, rassuré, moi. Mais c'était juste au bord. Bah ouais, mais c'est mort. Mais Pyrénées Atlantiques. On regarde Virginie en mode, c'est bon. Mais pour moi, c'est bon, en vrai. On est quand même et sur la côte et pas loin. Non, mais regarde, comparé à l'entièreté. De la... Deux pour le Carlier. Un demi-point. On a Aurillac ici. Oui, alors là, on est un peu bas. Ouais. On est un peu bas parce que Aurillac, on est dans le Massif Central. Ah oui, rien à voir. Tu sais où c'est le Massif Central? Juste là, là. Là, on n'était pas dans la bonne région. À tous les Aurillacéens et les Aurillacoises, je suis désolé. C'est Cantal. Et alors, c'est bas de l'Auvergne. Est-ce que c'est vrai, c'est là où il y a les minimales les plus basses en France de température? Souvent, très souvent, oui. Parce que c'est un plateau, je crois, où il y a un truc. Je n'ai pas l'info, là, je me suis lancé. Oui, là, peut-être la hauteur aussi, mais c'est vraiment l'un des endroits où c'est toujours le plus froid en France. C'est là où sont nés les rillettes. Ils sont nés. Les rillettes. Ce serait pas plutôt sur le Mans. Les rillettes d'Aurillac. Le Mans. Les rillettes du Mans, oui, bien sûr. Il n'y a pas de. Bon, après, attends, tu n'es pas sûr de ton info. Si, je savais que c'était au Mans, c'était une blague. Ah, trop marrant. Tu fais pas un spectacle. C'est juste une fausse info, c'est ouf. C'est mon intro de spectacle. Ah, c'est l'intro de ton spectacle. On va faire la même règle pour tout le monde. Oui. Un demi quand on est dans la bonne région. Très bien. Comme ça, c'est valable pour tout le monde. C'est juste. Je comprends, mais moi, ça va me servir à rien, je pense. Ce demi-point, là, pour les. Un et demi pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui me reste? Donc, Bayeux, Metz, Annecy. Ah oui, Metz, c'est Annecy. Metz, bonne région, mais pas bon département. Ah oui, c'est carrément au bout. Oui, c'est ici. Attendez, bonne région, la région Grand Est. Ouais. Grand Est, ouais, voilà. Bonne région, pas bon département. Département d'Alsace-Lorraine? Département de la Lorraine? La Moselle. La Moselle. Et alors, il nous reste Annecy. Annecy. Alors, Annecy, on n'est pas dans le bon département. Pas dans la bonne région. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Nul, là, Grenos. Ah, je l'aurais jamais Annecy. Ah, mais oui, mais non, mais quel imbécile. En Haute-Savoie? Ouais, Haute-Savoie. Mais oui, toi, t'as de la famille là-bas.
Erika, ouais. Elle va me démonter. Il y a toute ma belle famille, tous. Bah, Evian, ouais. Neufcel, tout le monde là-bas. Et Annecy, c'est simple, c'est très précis. Tonon, oh non, c'est horrible. C'est pas grave, tu sais. Mais c'est peut-être une faute d'inattention. Bah, ça l'est. Tonon, là où est née l'eau. Donc 2 sur 5. Franchement, ça peut être le meilleur score. Bravo! Non, c'est David Corami en ce moment. Qui était en second? C'était moi, il me semble. Et moi, il me semble que j'étais vert, ouais. Vert. Avec Priva et tout. Priva, c'est très connu, ça, maîtresse? Oui. Non, c'est pas très connu. Ça a été inventé, ouais, d'accord. C'est pas inventé, mais c'est vrai que c'est dur. C'est dans l'Ardèche. Les Vézous, là. Un petit point quand même. Ah, bah là, on était très, 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 très loin. Il y a la crème de marron délicieuse après Priva qu'on utilise alors. T'en fous, toi? L'Ardèche. La crème de marron de l'Ardèche. Et tout à fait. Pour ouais, sa défense, c'est vrai que c'est très dur. C'est hard, Esh. Joli. Si. Donc, Priva, on est à zéro, bien sûr. Ouais, zéro. Ouais. Ah, Nîmes, on est un peu haut aussi. Hein. Non. Nîmes? Ah, bah si. Oui, mais c'est dans cette zone-là. Non. Alors, c'est pas la bonne région? Non, pas du tout. Pas la bonne région. Ah, oui, pas du tout. Ah, oui, c'est vrai, mais oui, c'est très sud, bien sûr. Et c'est vrai que quand je vais chez mes parents, c'est 4 heures de train. J'aurais pu m'en rendre compte. En même temps, j'ai fait l'erreur sur 26, je comprends ton erreur. En même temps, on est là pour apprendre aussi. Mais j'habite là-bas, techniquement. C'est ça le problème, quoi. Alors, Grenoble. Grenoble, c'est pas loin d'Annecy, en fait, Grenoble. Enfin, c'est la même région, on va dire. C'est pas loin, mais c'est la même région. Ah là là, mon chat. Il y a les montagnes à Grenoble. Bah, cela dit, oui, du coup. Des montagnes. Du coup, ouais. Et c'est la ville la plus polluée de France, parce que c'est une cuve. Et donc, la pollution... On sent que tu t'es lancé vraiment... parce qu'il s'est lancé là-dedans. Le 2, il lance des stats. Ouais, non, mais je crois que c'est vrai. Hein. Alors, une autre verte. On a du Beauvais, là-haut. Beauvais, on est bien. Oh. On est dans le bon département. Non, mais non. Dans la bonne région ou dans le bon département? Dans le bon département. Bravo. C'est du pur hasard. Moi, j'aurais mis Beauvais, mais à l'opposé. Genre. Rappelez-vous, il vient de dire c'est du pur hasard. Petit flashback. Jouez simplement. Beauvais, mais je vais me ridiculiser. Oui, tu veux que je te donne la réponse? Non, ouais. Non. Mais très discrètement. Non. Tu te rappelles pas que j'étais indiqué? Ah oui, c'est vrai. C'est du pur hasard, tout a donné. C'est non, du pur hasard. Mais pas. Oui, mais tu m'as juste fait tac tac. Vraiment, c'est vers le nord. Au-dessus de Paris. Oui, mais oui, j'ai mis dans mon. Il y a combien de départements? Ta grand-mère a des moustaches. Elle est morte. Et alors, elle peut quand même avoir des moustaches? C'est maintenant là, c'est un squelette. Ah, est-ce qu'elle a eu des moustaches? Un peu peur. Voilà. Léopold, j'ai vu au cerf. Oh là. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. C'est juste à côté de Dijon là où j'ai trop bien passé. Est-ce que c'est en bas c'est à droite? C'est à côté de Dijon, exactement. Oui. C'est en bas à droite. Oui, c'est en bas à droite de Paris. Mais putain, j'avais bien remis Dijon. Pourquoi tu me fais ça? C'est là. T'étais quoi, à peu près à 800 km à chaque fois de la bonne ville. Est-ce qu'on pourrait arrêter avec ce concept de ville, de pays? Et si on n'était pas tous ensemble dans le même monde? Et comment on appellerait la ville du monde? L'entièreté. Oh, c'est si mal. L'humanisme. Pas si mal. Mais comment tu dis, genre, viens, on se donne rendez-vous là? Bah, moi, j'ai pas ça. Toi, tu mets en géolocalisation. Et tu définis des villes. Moi, je suis là, quoi. Et après, tu me donnes des noms au lieu. Genre, les petits lieux, là. Des trucs. Ce soir, on va trouver un spectacle à. Là, là. D'ailleurs, à propos de points, j'en ai combien? C'est pas mal. C'est vraiment bien. On applaudit quand même. On passe au bleu. Alors, Brest, on est dans le bon département. Ok. Voilà, pour le coup, c'était facile. En vrai, c'était un peu facile. J'ai eu beaucoup de chance. Et alors, par contre, il est au-dessus de la presqu'île de Crozon, il est là. Bon, ça va, c'est la même région. Voilà. C'est littéralement le même département. Ouais, on est sur le même département. C'est littéralement le même département. Ah bah, Bizneuil, le fameux Bizneuil. Oui. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez, vous? Le Bizneuil. C'est dur même pour vous. Ouais, je l'ai parce que j'ai vu votre vidéo. Ah, ok. C'est à côté de Montluçon. Pas loin de Montluçon. Voilà, pas loin de Montluçon, Clermont-Ferrand. Mais plus près de Montluçon. Ça, voilà. Alors, ouais. Plutôt par là, à peu près. Donc, on n'est pas sur le bon département. Je donc pense qu'on 0,5. Était... Ouais. 0,5, alors. Mais par contre, t'étais bien. Bizneuil, en même temps, te rappelles, dans la vidéo, on dit qu'on est au centre de la France, ça m'a aidé. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. C'est très, très au centre, effectivement. Mais si on n'avait pas fait ça, je pense que je ne le savais pas. Mais on se raccroche comme ça à des petits indices, à des souvenirs. Oula, vite, même vite. Parfois, les souvenirs mais sont une petite sonores. Tape sur le cou. Ouais. Les souvenirs sont... C'est quelque chose qui... Voilà. Petite, j'avais dit, moi. Angers, je suis pas sûr du tout. Mais c'est vraiment pas bon, Angers, je te le dis. Ah, mauvais gars. Vrai. C'est où, Angers? C'est là à gauche. Là. Oh. Bah ouais, c'est en dessous du Mans. Même moi, je le sais. Angers, c'est en Maine-et-Loire. Une des villes où il fait le plus bon vivre en France. La top 1 depuis 3 ans. Ouais. J'ai déménagé.
Était okay. Allé où? À Paris, Chiantos. Horrible, polluant, pollué. Tu fais la Redbox? Ouais, pour tes vannes, essaie de les dire quand tout le monde parle pas. Depuis tout à l'heure, c'est ça, le mec, ça me rend fou, mais. Ça m'énerve aussi. Il dit des trucs très drôles. Il est pas le bon timing, genre. Regarde. Yo. Des câbles. Un tournage. Ah, mais... J'entends des très bonnes vannes. Mais c'est la nouvelle ADN de la chaîne. Non. Faut rester bon. Non, c'est juste. Je suis tranquille, okay. Mais. Pas alors. Tranquille, mais juste. Pas au même moment que les autres. D'accord. Dors chez moi ce soir? Non, toujours pas. Dors chez moi? Tu fais chier. David? Moi, j'ai déjà un chez moi qui est collé à chez toi. Non. On respecte. Attention. J'ai toujours été mutin en cours. Il disait oui, oui, le grand front, là, le logo de la Juve, mutin. On dit. On touche pas. On dit un lutin. Quand c'est ouais, le bon timing, c'est non, chiant. Mais... Tu vois, quand j'attends qu'il y a un blanc. Bon timing, mais elle est à chier celle-là. Donc là, c'est faut que tu mettes les deux ensemble maintenant. C'est ça. Mais tu vas l'avoir, hein? Tellement trop. Tu l'as naturellement. Excusez-nous, Virginie. Non, je cherchais les bleus. Je cherchais les bleus, oui. En attendant. Eh ben, ils sont là, les bleus! Allez, ils sont branches! Allez, mais attends, Prosecco, on a vu de c'est pas pour tout le monde le Prosecco. Non. Alors, on a fait. Mais les gars, je suis totalement. Bizneuil, Brest. Verdun, on n'a pas corrigé Verdun. Ouh là 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 là. Pas la région, pas le département. Non, mais rien du tout. Et en fait, j'ai vu un reportage sur Verdun, sur la bataille de Verdun. J'ai tout vu pendant des semaines. Il y a un super. Non, pendant des semaines entières. J'avais fait une pause avec la chaîne YouTube. Je me disais, mais attends, mais Verdun, mais c'est fabuleux. Attends, mais donnez-moi tous les reportages que je peux consommer, c'est fabuleux. Non, arrête. Il vient un reportage. Une fois. Pendant des semaines. T'as vu un... Est-ce que tu as vu un simple reportage, oui. Et que tu l'as pas nécessairement vu en entier? T'étais sur ton portable à moitié du temps. L'exagération. Des semaines entières. Quel fou allié. L'exagération à un niveau. Qu'est-ce qu'on a? On est heureux. Moi, c'est bien. On est heureux parce que c'est le retour de la chaîne dans un ADN qui est ce qu'on voulait. Ouais. Il y a combien du coup le Coscas? 1,5. Attendez, il peut sauver la mission. Alors, attendez. En fait, là, il nous en reste plus qu'un. Je me permets un truc, excusez-moi Virginie. Selon la règle, je suis obligé de prendre un point. Si la région est bonne, je peux pas me tromper du coup. Ah oui, très juste. Oh bah. Bastia. On est nickel là. Mais est-ce que j'en suis quand même gouré? Non, elle est bonne. Un tout petit peu au-dessus, quoi. Mais c'est vraiment juste. Ah, cool, là, je suis content. Bravo, c'est là. Génial. Bravo. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Si précise. 2 mm. On va remonter un peu quand même. Ah, bien joué. Les gars, la Corse, qu'on embrasse. Il y a toujours la quête du Albertini que les gens. Oui, mais cela dit. Pas la Corse. Si. J'embrasse, mais volontiers. Non, mais c'est vrai que tu l'as un peu vendu. Excusez-moi. Quoi? Deux secondes. La Corse qu'on embrasse, c'était un petit peu en mode de démagogie. Voilà, un poil démagogue. Tu me fais chier, en fait. Non, mais par contre, ce que les gens savent pas, vous deux, toi tu sais pas, c'est que lui il est en train de trouver ses racines et ses racines sont peut-être corses. Toute la famille Albertini, on va lancer des tests ADN, il y a une vraie histoire et je vous emmerde. Ah ouais, la Corse c'est incroyable. Mais c'est pas le mais attends, mais évidemment, personne vous étiez comme tout le monde. Oh là là, le Pinsou. C'est trop génial. D'accord, j'ai tout le Pinsou. C'est quoi Pinsou? C'est les continentaux, c'est les mecs qui viennent squatter. C'est exactement toi là. C'est toi avec cette casquette et ces lunettes qui dit oh, moi j'adore la Corse. T'es né à Bois-Colombes, qu'est-ce que tu veux? Mais je suis un Pinsou, toi également. Bah alors arrête de m'insulter, Pinsou. C'est vrai. Au collège, tu te rappelles tous les gens qui nous regardaient faire nos blagues et qui faisaient. Eh bien, Virginie, vous n'êtes pas là-dedans. On fait nos blagues, plus ou moins débiles, parfois fines, rarement fines. Et vous nous accueillez. Tout à fait. Bah, vous m'accueillez. Très juste. Vous m'avez accueilli. Tout en m'accueillant, vous m'avez accueilli. Oh. Autour de Théodore. Allez, Théo. Moi, je suis les violets. Ok. Alors. Et comment pourrait une onomatopée comme ça? Alors, Dijon, c'est près d'Auxerre. Ouais, bah oui, je l'ai mal mis. Ah oui, c'est ça, tu dis. Ouais. Je suis très, très bête. On te l'a fait déplacer, tu as vécu c'est ça? Là-bas? J'ai vécu là-bas. Hein. C'est dingue de faire ça. Tu te rends compte, quand même? Dijon, c'est vers le centre. T'as vécu dans une ville, tu ne veux pas la placer. Côte d'Or, c'est là. Oui, c'est en dessous, mais alors, oui, j'ai. Côte d'Or. Est-ce que vous pouvez regarder Théodore et lui dire. Vous me dites, hein. Tu as merdé, sale chien. Vous voulez lui dire ça? Non. Si vous voulez. Ma bienveillance me l'interdit. Tu as merdé, sale chien. S'il vous plaît. À la limite, tu as merdé, je peux, mais tu oui, as. Oui, oui. Mais la mais suite. Bien, regarde, tu as merdé, Théodore. Ok, et maintenant, dites une phrase. Dites, Rex, pourquoi t'es allé dans les boues? Tu es sale, chien. Et peut-être ça, tu es sale. Tu as merdé, sale chien. Non, vous m'aurez pas au montage. Non, bien vu. Cabourg, c'est pas la Bretagne, c'est la Normandie. Mais si, c'est très connu. Tu peux placer? Va placer Cabourg. Oh, le petit faillot. Attention si tu me places, Madame Virginie. Ah non. Cabourg, c'est juste ici.
Oui, parfait. Oh. Ça veut dire qu'Amiens aussi, je l'ai bien placé ou... Et non, justement, c'est... alors j'avais un gros doute parce que je voyais un mien. Je dis non, mais je comprends rien. Oui, c'est ça. Merci, Virginie. Oui, ouais. Bravo pour la Normandie. Et Amiens, c'est au-dessus de Beauvais. Ah. C'est les Hauts-de-France. Est-ce que vous prenez un peu la culture du moment ? C'est-à-dire, est-ce que vous en souviendrez ça ? Bah oui, non. Amiens, c'est au nord de Beauvais. Si. J'aurais dit la région. C'est la région nord. Hauts-de-France. C'est Hauts-de-France. On dit Hauts-de-France, ouais. Les départements. Avant, c'était Picardie. Enfin, ça doit toujours s'appeler la Picardie dans le côté régional. Mais pourquoi, vous savez, la Picardie, c'est 60, le numéro. Et il y a plein de locations de voitures, ça vient du 60. Oui. Je sais pourquoi. J'ai la raison, c'est parce qu'elles sont immatriculées là-bas. Oui, mais... J'avais la réponse. La question, c'est pourquoi. Et ben pourquoi voilà. Pour une petite info, il y a des avantages fiscaux pour les personnes qui ont des véhicules dans l'Oise. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont immatriculés en 60. Très bien. D'accord, toujours zéro point pour ma gueule. Mais... Alors, je suis désolée pour Avignon, parce que c'est vraiment pas loin, mais ça change et de département et de région. Ah, c'est juste à côté. C'est PACA, ouais, Provençal-Côte d'Azur, ouais. Et c'est là, ce côté-là. Et vraiment, c'était pas loin, un Théodore. Petit... Est-ce qu'on lui donc moi, je propose un demi-point. Un demi-point, ouais. Un demi-point. Parce que quand même, vraiment... Un demi-point minable. C'est encourageant et c'est... Ouais. C'est des encouragements de la maîtresse. Merci beaucoup. Et puis d'accord, maintenant, je le saurai qu'Avignon, c'est vers là-bas. Voilà, en face de Nîmes. Moi, j'aurais oublié en sortant de la pièce. Vesoul, on ne pourra pas compter de points parce que c'est vraiment... C'est vraiment... Wow. Mais ah, c'est pas plus haut. Mais qui connaît Vesoul ? Et c'est très non, connu. C'est Jacques Brel. Quoi, là-bas ? Jacques Brel, c'est une option. Il n'y a personne. Ouais, c'est vrai que c'est, la référence, c'est Jacques Brel. C'est Jacques Brel. Ouais. Jacques Brel, là-bas ? Mais non, non, il parle de Vesoul dans une chanson. Ah bah oui, je me suis bien dit. Il a chanté une chanson culte. Il a voulu voir Vesoul. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile à situer. Kaboul, non, il n'est pas allé à Kaboul. Non, c'est Manhattan Kaboul, ça. Manhattan Kaboul, d'ailleurs. Est-ce que t'as les grandes T ? Oui, moi j'ai les grandes T. Tu vas les grandes T. Si, si, j'adore quand il fait ça. Ah, le Brel d'aujourd'hui, c'est autre chose. T'as voulu voir les grandes T. T'as voulu les grandes T. Mais il se passe vraiment, donc la seule chanson, c'est Brel. Qu'est-ce que t'as contre Vesoul ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que Vesoul, ça me fait chier. Il n'y a rien. Tu vas te mettre des gens à dos à Vesoul, mon gars. Sur celle-là. Pas une chance, Vesoul. C'est vrai. T'as Vesoul, ils font du très bon chocolat. C'est vrai ? Non. J'ai déjà été victime de racisme. Et ben là, tu as du racisme envers Vesoul. Pas du tout. À tous les Vesoulois, je vous chie à la. Attention, c'est très mal de faire ça. De toute façon, ils vont faire quoi, les Vesouliens, là ? Bah, si ! Ils seront là avec leurs fourches, là. Ils vont faire quoi ? Ça nous échappe, tout ça. Rappel des scores, s'il vous plaît. On est sur grand gagnant, David. Bravo, David. Fort. T'en avais merci. Aucun, Théodore, je croyais. C'est Virginie, bravo, Virginie. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci d'être venu, c'était merci très infiniment. Agréable. Ouais, c'était super. Je pensais que j'allais être plus nul que ça. J'ai peut-être eu un peu de chance aussi sur les villes. Non, rappelle-toi, souvent, tu te dévalues. C'est dû à ton truc, t'as un truc comme ça. J'essaye personnellement de te... Non, tu te dévalues beaucoup. Et la vidéo se termine maintenant.